once upon a time in the West an opera of violence. Il était une fois dans l'Ouest, c'est un opéra de violence. You know, one of the things about this movie, as time has gone on, I love this movie, but I kind of like Good, the Bad, the Ugly a little bit more. Yeah. Au fur et à mesure que le temps passe, j'adore ce film, j'ai toujours adoré ce film, mais je crois que je préfère Le Bon, la Brute et le Truand. However, there is an aspect of this film that was... This movie taught me probably more about filmmaking than any other movie. Mais sans doute que c'est le film qui parle plus au metteur en scène que je suis que n'importe quel autre film. One, because the American edition of the film was severely cut. D'abord parce que la version celle qui est sortie aux États-Unis avait été coupée. Yet the TV edition sometimes had the scenes back in. Et parfois, la version qu'on voit à la télévision, on voit revenir les scènes qui ont été coupées. So, whenever they showed it on television, you know, usually late at night, and you stayed up to watch it, you never knew what version you were going to get. Et quand vous tombez sur le film à la télévision, en général, ils le montrent tard, autour de minuit, vous ne savez jamais quelle version du film vous allez voir. And even in the mid-80s, when it started showing again in revival houses after not having done that for a long time, you never knew what version you were going to see. Et même quand le film a été réédité au milieu des années 80 en DVD, en vidéo et tout ça, on ne savait pas non plus quelle version, quelle longueur le film c'était. Which was almost like a cinematic treasure hunt. C'était quasiment comme partir à la recherche du trésor. À la chasse au trésor d'un cinémathécaire. So you'd hear of certain scenes and you knew of certain scenes and you would go see the film and then they wouldn't be there. Et donc vous connaissez le film, vous connaissez certaines scènes et vous regardez le film, vous êtes super content de les voir et paf, elles n'y sont pas. But then you see it, but then you go to another screening and then all of a sudden it would have a scene that you always heard about, but never saw. Oh my God! They're showing that scene! Et à l'inverse, parfois vous allez voir, vous tombez sur une certaine version, et vous êtes tranquille, et tout à coup, des scènes apparaissent que vous ne connaissez pas, vous dites, putain, c'est encore une... C'est encore... Ah, oh my God! Mon Dieu! Oh my God! C'est une version que je ne connaissais pas. This was almost like a pilgrimage movie for me. Et pour moi donc c'est un film pèlerinage. But the thing about it was when I started realizing, I'd started out as an actor and I was in acting classes, and then at some point in these classes I realized that I loved movies too much simply to appear in them. I wanted the movies to be mine. Et quand j'ai commencé, quand j'étais étudiant pour faire l'acteur, mais pour faire le metteur en scène, c'est là que j'ai compris que, en fait, c'était compliqué pour certains films parce que d'apparaître dedans comme acteur, parce que je voulais que ces films-là soient miens, soient à moi. And I actually remember watching one of the screenings of Once Upon a Time in the West, even before it was on video, just on television. And watching how Sergio Leone manipulated the frame. Et je me souviens très bien d'une projection de l'Institut du Grand Ouest à la télévision, bien avant que ça sorte en vidéo, et j'ai vu à quel point Sergio Leone était quelqu'un qui jouait avec le cadre.